Bon, sincèrement, je crois qu'Apex vient de rajouter le combo le plus abusé, le plus cheat, le plus dingue qu'ils aient jamais sorti hors glitch depuis le début d'Apex. Le combo, c'est quoi? C'est avoir 4 Mozambique avec Mad Maggie, prendre la perque qui vous donne la possibilité de recharger automatiquement vos fusils à pompe sur un KO, et en fait, vous avez une tourelle avec Mad Maggie qui vous permet littéralement de tuer des adversaires sans vous arrêter pendant 5 minutes pour peu que vous réussissiez à trouver des knocks suffisants et avoir suffisamment de munitions. Je vous laisse en compagnie de deux taupins monstrueux avec double Mozambique et Mad Maggie. Faites un excellent visionnage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous allez voir, c'est une folie. Oups. C'est trop drôle. J'aime tellement jouer Mad Maggie avec double fusil à pompe, ça me fait délirer. Oh merde. Là j'ai tellement de mal à jouer avec le Evade sans le... sans culasse. C'est horrible. Je vous en ai niveau 60, je pense que skin de le bas ça a coûté cher. C'est skin PV avant non qui est niveau 60. Merci Evasion. T'as regardé celle bien commencer Apex en 2024? Salut Garvin, ça va quoi? Je pense que c'est une bonne vidéo ça en vrai pour commencer. Ça donne vraiment les bases. Comme d'habitude. C'est bon, pas de balle. Ce combo de skin là pour Mad Maggie et le Evite est tellement stylé. Mais il s'échappe jamais le mec en fait. Comment il s'échappe jamais en fait le bro? Ça fait un sens, mais j'ai pas suivi tout. Alright. Je suis dans une manière très touristique, merci les paringos. Ah le bâtard. Quelle époque les Wise Love. Yes, Sansa. Ah c'était bien. Moi c'était ma période préférée en termes de création de contenu. Bon j'étais à découvert tout le temps. J'avais pas compris. Ah putain, incroyable cette zone. Les meurtrières là. J'avais jamais capté. Oh putain. Ouais, c'était marrant. En plus, vraiment, à l'époque, je testais tellement de trucs différents. C'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. Pardon, using a Phoenix kit.
Comme quoi, c'est marrant, hein. Souvent, et franchement, j'ai fait des trucs stylés dans, ma carrière de créateur de contenu, mais vraiment, l'époque BF1, c'était ma préférée. Genre le jeu, les découvertes, les trucs communautaires, c'était facile aussi. On faisait tout le temps des events communautaires, il n'y avait pas de trolls. Je sais pas, c'était trop stylé. Après, il y a eu PUBG. C'est vraiment cool. Et puis même 2016, c'était pas 2024. Franchement, globalement, sur Internet, je trouve que les gens sont devenus de plus en plus cons, quand même. Et c'est un peu... c'est un peu curieux de dire ça, mais vraiment... la meilleure technique pour monter le battle pass, faire toutes les quêtes que tu veux. Ah, si je le rate, je suis mort. Ah, c'est une dinguerie ce boss. Malnagi, c'est une dinguerie. Tellement pas de stuff, par contre c'est vraiment un truc de ouf. Eh, on a l'impression que c'est... comme dans les films en fait. Mais vraiment comme dans les films cette action. C'est très drôle. Moi je veux double Mozambique en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux avoir 4 Mozambiques sur moi en fait. Trop drôle en vrai. Comment tu fais pour Super Glide? T'appuies sur ta touche de... saut et de... slide. Dès que t'arrives au moment... Dès qu'en fait t'as cette animation où ton personnage fait comme un tac, comme s'il passait un niveau, tu vois. Faut que tu le fasses. Après faut s'entraîner quoi. Mais là je suis en mode Akimbo de Akimbo. Oh nice. What?
Non, go back in zone, go back in zone. Je prends une mourir en vrai. Come in zone guys, come in zone. Non, je pense que c'est ça, la bonne c'est... Ah ouais? Bah moi ça marchait, tirer tirer X12. Hein. Ça marche peut-être sur Origin ou sur Steam, je sais pas. Attends, je vais essayer de cut leur line là. Allez. J'adore, franchement ce build. Là, double Mozambique, Mad Maggie. Et... J'aime bien parce que lui il a pas trop compris le concept. Come to us and stay with us please. Stay in zone. Ils vont forcément avoir ce bat. On va commencer par. Le plus débile que j'ai vu de ma life. Hein. J'ai jamais vu build plus débile que ça. Ah, ils l'ont changé sur le dernier patch note. Ah, ok. C'est du Shinzaki. C'est vrai pour la rumeur pour 40 bits. Il y en avait dans les fichiers du jeu, ça m'étonnerait pas que Respawn en sorte un. Si vous voulez mon pari, ils vont sortir un Earl Universal tous les 6 mois. Ouais. Donc pas tout de suite, je pensais que ça allait être toutes les saisons. Mais je pense tous les 6 mois. Franchement, les Heirloom Universal, c'est chou. C'est stylé. Moi, ce que j'aimerais trop, c'est qu'ils mettent les Heirloom. Tu puisses mettre des Heirloom aléatoires. Ah, c'est pas Louise. C'est que tu puisses mettre des Heirloom aléatoires. Ouais. Non!